effectivement, par rapport à un public de néophytes, c'est important de, je dirais, de plonger un peu dans ce concept-là. Donc, je vais. Alors, attendez juste. Non, c'est pas dans ce sens-là. Le paysage, qu'est-ce que c'est? J'ai même, on m'a même donné une traduction en breton. Un arbre mez. J'y reviendrai plus tard parce que j'ai pas trop le temps. Mais c'est intéressant de s'interroger sur les mots et le poids des mots. Chaque mot a un sens et on va voir à quel point c'est important sur la conception même du paysage. Alors, tout remonte à l'enfance, effectivement. Je ne peux que rebondir sur ce que disait Anne tout à l'heure. Et quand j'avais 12-13 ans, j'apprenais à peindre à l'aquarelle avec une vieille dame qui était ma voisine. Elle m'emmenait sur des ruines. C'était des ruines romaines, des ruines médiévales, aussi quelques mégalithes, nettement moins qu'ici, évidemment. Et en même temps, je lisais Astérix et Astérix, dans le Tour de Gaulle, expliquait à Obélix que vraiment, avec leur construction moderne, les Romains gâchaient le paysage. Et vraiment, ça me posait un problème, parce que j'avais une confiance absolument incroyable en Astérix et tout aussi, une confiance tout aussi incroyable envers ma prof de dessin et de peinture. Donc voilà, la question est posée. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste un petit point d'histoire, comme ça, juste sur un choix... de ce tableau de Van Eyck, donc qui date de la Renaissance, du XVe siècle. Il faut savoir que le concept de paysage en Occident, il est né au XVIe siècle. Avant, ça n'existait pas, on ne parlait jamais de paysage. Et à cette époque-là, on ne parlait pas non plus de paysage dans ce tableau. Donc là, c'est le chancelier Rollin, qui est un superintendant des finances, qui se fait tirer le portrait face à la Vierge Marie qui lui présente l'enfant Jésus. Imaginez un président de la République se faisant tirer le portrait avec la Vierge Marie qui lui présente l'enfant Jésus. Ça pose son bonhomme quand même. Et bien pour ce personnage-là, ça ne suffisait pas. Il a eu besoin de faire représenter sur l'arrière du tableau un ensemble de vignettes qui étaient censées identifier les territoires sur lesquels ce personnage avait une influence politique. Et là, vous avez à gauche... comment ça marche ? À gauche, ici, vous avez les coteaux de Beaune, parce que le personnage est originaire de Beaune, en Côte d'Or. Mais vous avez en face la ville de Dresde, avec, d'après les historiens, la cathédrale de Dresde. Beaune et Dresde ne sont pas face à face, dans la réalité. Le fleuve qui est au milieu, ça pourrait être aussi bien le Rhin, le Danube, que le Rhône, voire même la Tamise, parce que certains disent que le pont qui est au premier plan, le pont qui est ici, pourrait être le pont de Londres. Etc. À l'horizon, vous avez les Alpes. En fait, vous avez quelque chose qu'on pourrait nommer paysage aujourd'hui, mais qui n'en est absolument pas un, parce que qui n'en est pas un au sens où un peu commun. C'est-à-dire que ce n'est pas une vue d'ensemble représentant un territoire qu'on peut photographier, etc. C'est une construction qui avait pour unique but de venir servir le sens du tableau. Et la dimension paysagère est une dimension éminemment politique au sens noble du terme, c'est-à-dire c'est quelque chose qui contribue au sens qu'on donne au territoire. Alors, rapidement quelques définitions sur cette question du paysage. Il y a plusieurs définitions. La première que j'aime bien et que j'utilise beaucoup, c'est le fait que le paysage soit un patrimoine culturel. Les historiens parlent de palimpseste de l'histoire, c'est-à-dire un parchemin qui est gratté plusieurs fois, qui est réutilisé plusieurs fois, mais sur lequel on trouve toujours des traces de l'ancienne écriture. Donc ça correspond tout à fait avec le paysage. Mais vous avez aussi la notion de patrimoine naturel, qui est aujourd'hui de plus en plus convoquée parce que le public est de plus en plus sensible aux questions de l'environnement. Mais vous avez aussi la définition ici de Larousse, ou même du Robert, qui n'est pas beaucoup mieux, une étendue de pays qui présente une vue d'ensemble. Et donc j'ai mis un point d'interrogation, hein, c'est pas Larousse qui a mis le point d'interrogation, c'est moi, parce que toutes les vues d'ensemble n'ont pas la même capacité à être perçues en tant que paysage. C'est bien là l'enjeu. Cette image que vous avez là, elle est très banale, elle est même assez illisible. Il y a un château d'eau en plein milieu, et pourtant, c'est une vue sur un des sites majeurs du classement UNESCO des sites de Carnac et du Morbihan. Et on ne le perçoit absolument pas. Et face à cette image, qui est aussi une image sur un site assez majeur, parce qu'on est sur la baie de Quiberon, quasiment sur des vestiges d'alignement qui sont, eux, submergés,
Eh bien, cette image-là, parce qu'elle a des référents un peu autres, et elle permet au public de discerner, eh bien, elle a plus de chances d'être perçue comme un paysage par rapport à la précédente. Et ça m'amène donc à la troisième point de la définition du paysage. Le paysage se considère aussi en tant qu'élément de esthétique. Donc on a le patrimoine culturel, le patrimoine naturel et le patrimoine esthétique de tout ça. Donc ça, c'est des choses à garder en mémoire. La Convention européenne du paysage a mis d'accord tous les pays européens autour d'une définition. Paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère ou les caractères résultent de l'action de facteurs naturels et ou humains et de leurs interrelations. Vous avez là-dedans, en gros, les trois éléments de la définition précédente. Alors avec une précision quand même, c'est que tel que perçu, ça ne signifie pas tel que vu au sens rétinien du terme. Il ne s'agit pas de perception physiologique, il s'agit de perception psychologique. Ça veut dire que la perception ici relève de l'interprétation et on interprète avec un certain nombre de données qui sont de l'ordre de la connaissance, scientifique certes, mais pas que, et aussi du sensible et de l'émouvant et de tout ce qu'on a pu récolter quand on était enfant qui nous a passionnés. Mais j'y reviendrai, vous allez le voir. Donc tous les paysages, vous avez quelques images qui vont défiler, qui sont des paysages qui concernent vos coups de cœur, tous peuvent correspondre à cette définition-là sans aucun problème. J'aime beaucoup celle-là parce que l'incendie révèle énormément, même si c'est quelque chose de dramatique. Un paysage incendié, on le verra aussi tout à l'heure, ça peut être un paysage tout à fait extraordinaire et parlant parce qu'il va révéler des choses qu'on avait complètement oubliées. Alors on ne va pas s'amuser évidemment à mettre le feu partout pour faire surgir des choses, mais la démarche paysagère relève un peu d'un incendie psychologique. Et même des petites choses comme ça qui peuvent paraître insignifiantes, il suffit d'un portail ouvert sur quelque chose, sur un autre horizon, pour que la dimension paysagère puisse surgir. Alors, pour rentrer un petit peu plus en profondeur dans ce mot, on va remonter au déluge. Alors, on va remonter au déluge de manière bien plus au-delà de Noé, parce que déjà, Noé, il y avait des animaux, il y avait des plantes. On va remonter au déluge avant les animaux et les plantes. Au moment où les grandes tectoniques se sont plus ou moins achevées, les grands glaciers ont fondu, et on se trouve face à des espaces qui ont été modelés avec force et avec puissance par les grandes forces de la nature, de l'érosion, etc. Et on se trouve avec un modelé comme celui-là, par exemple. Et première chose très importante à ne jamais oublier, c'est que pour le public, le grand public, tout n'est pas paysage systématiquement. Il y a des géographies qui ne révèlent rien du tout parce qu'elles n'offrent aucune prise première aux observateurs. Et donc toute géographie n'est pas considérée comme paysage par le public. C'est-à-dire que c'est pas une donnée qui est acquise d'office. Ensuite, par contre, c'est très, très important aussi de bien considérer que s'il y a des géographies qui peuvent ne pas être reconnues en tant que paysage, il n'y a jamais aucun paysage sans la géographie comme base principale. Parce que c'est vraiment le début du sens, de tout le sens qui est donné à un espace. Ça commence avec ce que la genèse, en gros, de l'érosion nous a donné à un moment donné, à un moment T. Ensuite, il suffit de quelques végétations ici ou là pour que les choses commencent à s'animer et qu'on commence à pouvoir identifier un premier récit, un premier discours, des premières évocations. Même chose pour l'histoire. Il n'y a pas non plus de paysage sans histoire révélée. Donc l'archéologie intervient là, évidemment. Alors, sans histoire révélée, à condition néanmoins que cette histoire soit révélée en accord avec ce que révèle la géographie. C'est-à-dire que si vous avez une histoire qui a dézingué complètement la géographie ou des éléments puissants de la géographie, eh bien, on a un peu moins de chances d'avoir un paysage digne de ce nom si on a une destruction préalable du substrat ou du support géographique. Le Mont Saint-Michel, il est aujourd'hui reconnu en tant que paysage parce que l'architecture médiévale vient se mettre en cohérence complète avec le rocher planté au milieu de l'eau. Aujourd'hui, on refuserait le permis de construire au Mont Saint-Michel. Ah, peut-être à raison, je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, on aurait tendance à raser une butte qui nous gêne pour remplir un vallon qui nous embête aussi, ce que font les Chinois en ce moment, pour faire des villes. On prend les buttes, on les met dans les creux et on horizontalise tout ça. On a un peu ça, quelque part, sur certains territoires.
Néanmoins, pour qu'il y ait paysage, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il ne suffit pas d'avoir de la géographie et de l'histoire pour qu'on ait tout d'un coup du paysage. Il faut ce que les paysagistes appellent du génie en ces lieux. On appelle ça aussi l'esprit des lieux. Et on va essayer d'approcher ce terme-là pour voir qu'est-ce qu'il recouvre. Donc géographie, histoire, certes. Même d'un point de vue perçu, d'un point de vue esthétique, ça ne suffit pas. Il faut encore quelque chose de plus. Le paysage donc tient à peu de choses. La première chose, c'est enlever la peau de saucisson qu'on a sur les yeux, sur les oreilles, sur le cœur, et se présenter un peu avec le regard des enfants. Vraiment, décidément, Anne, ça tombait très bien. Je ne connaissais pas l'intervention de Anne avant. Première chose à ne jamais oublier, c'est que le paysage, c'est un sentiment. Ça part d'un sentiment. Autrefois, on parlait du sentiment paysager et ensuite, on a parlé de paysage. Mais le préalable, c'est le sentiment paysager. Ça veut dire des émotions, ça veut dire des choses qui sont de l'ordre du sensible. Et à partir de ça, ce sentiment, il est fondé, suscité par un certain nombre de correspondances. Et c'est là qu'on va commencer à accéder à ce qu'on appelle l'esprit des lieux ou le génie en ces lieux. Ces correspondances, ce sont des correspondances entre les éléments physiques qui sont là, présents, qu'on peut identifier, géographie, nature, histoire, etc., des cailloux. Mais ce qui va donc compléter le panorama ou le tableau, c'est qu'au-delà de cette relation émue et impressionnée donc entre un observateur et une partie de territoire, on a donc une partie de territoire dont l'ordinaire commence à être interprété comme extraordinaire. Et c'est là que la dimension paysagère commence à agir. C'est extraordinaire, à condition que les choses soient impressionnantes, et à condition aussi qu'on considère le merveilleux autant que le terrifiant. Un paysage émouvant, un paysage puissant, ce n'est pas toujours un paysage bisounours. C'est un paysage, ça peut être joli, effectivement, mais c'est bien plus puissant que ça. Il s'agit d'autre chose, et certaines grandes marées créent des paysages plus fantastiques que quand l'eau est complètement plate. Ça ne veut pas dire que quand l'eau est plate, c'est pas intéressant non plus, mais on a quelque chose de plus large. Et donc, l'extraordinaire révèle la mise en correspondance des motifs, des signes de paysage. En gros, le génie en ces lieux relève de ce passage entre l'ordinaire et tout d'un coup l'extraordinaire. Il suffit d'un petit élément de révélation pour qu'on bascule de l'un à l'autre. Je vais rentrer encore plus dans le détail. Trois grands vecteurs sur ces mises en correspondance. Le premier, c'est la curiosité qui va relever du désir. C'est très important de susciter le désir auprès du public pour aller vers un territoire et pouvoir percevoir la dimension paysagère, parce que de ce désir va naître la motivation et l'émotion, ou l'émotion première va faire naître un désir. Donc ces trois mots sont étroitement intriqués. Alors, un petit clin d'œil à Anne, sans l'avoir fait exprès. Il se trouve qu'en me baladant, j'ai ramassé ce bout de bois un jour et je l'ai mis dans mon sac, parce qu'il est un peu gros pour mettre dans ma poche, et je l'ai amené au bureau. Et tout d'un coup, je me suis trouvé face à ce dessin, qui est un de mes amis ornithologues, qui a dessiné un hibou des marais. Et si je peux revenir en arrière, la correspondance ne relève pas seulement des formes et de la couleur, mais ça relève aussi, pardon, voilà. Si vous regardez bien, ce bout de bois, il est animé. On a l'impression que le bout de bois se retourne vers vous. Et le hibou des marais, c'est exactement la même chose. Et donc, si vous voulez, ce qui joue, et on va voir à quel point c'est important tout à l'heure, ce n'est pas juste des correspondances de formes, c'est aussi le fait que l'homme a la capacité de projeter dans des formes inanimées une âme, une animation, pour prendre le terme latin « anima ». Et cette animation, elle est profondément anthropologique, et c'est quelque chose qui est un puissant ressort de la dimension paysagère. Un autre puissant ressort de ces mises en correspondance, on appelle le mimisme, je vais aller rapidement là-dessus. En fait, c'est une forme d'empathie, une empathie très particulière qui permet, un peu comme dans le cas de mon bout de bois où j'ai perçu un mouvement dans le bout de bois, qui permet donc à l'homme ici sur l'art pariétal donc de la grotte Chauvet, vous avez ici une forme un peu bizarre que l'homme préhistorique a interprétée. Il a perçu
un mouvement, un geste, et à partir de là, il a dessiné. Et vous voyez comment, tout d'un coup, d'un épaulement qui était la roche brute, il a transformé ça, il a rendu animé un dessin. Eh bien, on va voir tout à l'heure, ce processus est un processus de base dans la perception paysagère, dans la mise en correspondance. Un autre exemple rapide lié à l'archéologie, pour expliquer un autre terme, le troisième terme, qui est l'artialisation, donc qui est le processus par lequel l'art fait percevoir autrement. Bon, voilà, ici, le cheval. Voilà. Donc, les correspondances, maintenant, rapidement, dans les mégalithes, et c'est la chose qui nous a fascinés dans le travail qu'on a fait avec Paysages de mégalithes, là, tout le travail autour du classement UNESCO, c'est de partir de ce que les archéologues nous avaient indiqué comme de relations étroites entre les objets, les lieux, les monuments et la morphogéographie, mais on s'est aperçu que c'était beaucoup plus puissant encore que ça, c'est-à-dire que probablement, au-delà des questions de forme, il y avait des correspondances liées au sens. Et on a rapproché ça avec la découverte de Serge Cassen, qui a montré que ce qu'on croyait des représentations de charrues, en fait, étaient des représentations de cachalots. Et on a finalement pu identifier tous ces éléments-là comme étant des métaphores. En fait, le fait que les correspondances entre les tumulus et les buttes, entre les lignes de menhir qui sautent quasiment sur les lignes de crête de colline en colline, avec les plus petits en bas et les plus hauts sur les hauteurs, c'est-à-dire une espèce de mouvement de vague comme ça, accentué. On a rapproché ça de l'expérience de Serrano, qui est un chercheur océanographe, qui s'est retrouvé un jour à plonger au milieu d'un dortoir de cachalots. Et quand il s'est trouvé au milieu de ce dortoir de cachalots, il s'est exclamé « Ah, on dirait Carnac !» Et je pense qu'il ne croyait pas si bien dire, parce qu'il n'avait pas lu, Serge Cassen, d'une certaine manière. Donc nous, on s'est saisi de ces mises en correspondance au niveau de l'équipe, avec ici un dessin de Frank Vatel, qui est scénographe, qui a décidé de représenter en gros le passage entre le monde marin et le monde terrestre. Tout ça pour vous dire que c'est très important pour moi, il me semble, avec cette expérience de mégalithes de Carnac, de considérer les paysages, donc de mégalithes mais pas que, en tant que rejet anthropologique et mode d'artialisation. Ça, c'est des mots un peu savants, mais en gros, ça veut dire qu'à partir des particularités du pays, vous êtes invité à voir, le public est invité à voir, entre guillemets, et à façonner un paysage, nouveau paysage, qui sera une métaphore d'une autre nature. Donc à chaque fois, on a un travail d'interprétation. Et pour terminer sur cette phrase d'Augustin Berg qui pour moi est très importante et que je vous conseille de méditer, dans l'évolution historique des milieux humains, il apparaît que les sociétés aménagent leur environnement en fonction de la perception qu'elles en ont et réciproquement, elles le perçoivent en fonction de l'aménagement qu'elles en font. Ça veut dire que les aménagements qu'on est amené à faire pour révéler, pour montrer des sites, ne sont pas anodins, ne peuvent pas être anodins. Ce n'est pas fait pour faire joli, ce n'est pas fait pour accompagner comme on met une feuille de salade à côté du steak ou du persil. C'est fait pour nourrir le sens, accompagner le sens, voire l'anticiper et le tirer vers le haut. Voilà, merci.